trois hommes du Nord, très grands et forts, viennent d'arriver, quartier Saint-Gervais. Ils viennent pour Béli-Bois, Béli-Bois, car ce sont des cœurs de bois, cœurs de bois. Ils aiment bien Béli-Bois, Béli-Bois, ça fait les bras. Ils vont partir, forêt du Tigre, où leur patron, qui est fort comme un tronc, les paye pour couper du bois, couper du bois, de l'oseille, pour couper du bois, couper du bois, surveille ses coupeurs de bois, coupeurs de bois, c'est bien son droit. Là qu'il s'installe dans la grande salle de la taverne du Père Saliverne, en s'écriant « Tonnerre de bois, traînons de bois, servez-nous-en du vin d'Arbois, c'est ça qu'on boit, avec l'argent des coupes de bois, on se paiera une gueule de bois. » Est-ce la boisson ou la passion qui change le ton leur conversation? Mais là que nos forts coupeurs de bois ne sont plus d'accord. Et pouvez-vous me dire pourquoi? Ils se battent à mort pour une espèce de je ne sais quoi. Une fille de bois. Joie. Ah, la fille a peur. Ouh, ah, des trois coupeurs. Ho, 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 ho. Puis elle s'en va avec un autre gars. Un vrai vaut rien que celui-là, coupeur de bois, qui ne disait rien, mais n'en pensait pas plus, je crois, et qui le lendemain, pendant qu'elle dormait dans ses bras, fou, l'étrangla. On soupçonna nos trois amis d'assassinat, de crime commis. Un juge novice nommé Dubois les condamna au bois de justice. Quel drôle de bois que ce bois-là. Cruel supplice, la tête coupée, roulèrent dans la sûre de bois. Vous qui écoutez cet air chanté, je vois, vous n'y croyez pas. Je l'ai pourtant lu dans la revue des coupeurs de bois. C'est une revue très passionnante et bonne ma foi. Dans la forêt, chacun l'achète, vous la trouverez. Librairie, achète. On ne fait pas mieux, comme non je crois, quand il s'agit de tout.